Salut les Vikings, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super bien. Alors, cette vidéo, pourquoi j'avais envie de la faire? Tout simplement pour vous présenter un peu mes projets 2020. Voilà, projets 2020 qui vont arriver tout au long de l'année, forcément, puisque c'est un projet 2020. Donc voilà, gros morceau sur ce projet, c'est une armée sœur de bataille. Hein, donc voilà, j'ai pu avoir la chance d'acquérir cette boîte. Donc c'est le Starter Collecting, Starter Pack Battle of Sororitas. Voilà, donc sœur de bataille, Adepta Sororitas, sœur de bataille, avec donc des figurines collector. Alors vite fait, hein, parce que je l'ai ouvert. Donc on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Tuc tuc, voilà, on est là. Donc nous avons 5 séraphins, nous avons une machine de pénitence, nous avons une chamoinesse qui est exclusive, donc c'est de la figurine exclusive chamoinesse qui est là. Nous avons des sœurs de bataille, enfin des Retributor Squad, si je dis pas de conneries. Non, des sœurs de bataille tout court. Et nous avons ces espèces de bestioles là, alors je me souviens plus du nom. Mais comme j'en ai pas, eh ben, enfin du moins comme je les ai pas là, du coup j'ai pas le nom en tête. Mais voilà, nous avons. Attendez, on va regarder un peu ce qu'il y a. Ouais, on les a là. Super. Donc, nous avons dans la boîte, nous avons donc des séraphines. Hop, ici, voilà. Nous avons des arcoflagellants, des Sistar Repentia, des Battle Sisters et une canonesse. J'ai dit chamonesse? J'ai dit chamonesse. Pourquoi j'ai dit chamonesse? Et une canonesse, voilà. Donc ça va aller très très vite. Du coup, ouais, 3 arcoflagellants. Donc j'aurais pu prendre la boîte à 10 la dernière fois. Bon, c'est pas grave puisque c'est jouable que par 10 et pas plus. Donc dedans, donc il y a les dés, les 80 cartes techniques, le codex exclusif Adepta et une planche de décalcomanie. Mais bon, ça c'est comme dans toutes les boîtes, hein. On est là. Le codex que je trouve vraiment magnifique, c'est le codex collector. Il est vraiment très très beau. Ensuite, pour compléter ce start collecting, nous avons les deux autres machines de pénitence. Donc pour en jouer trois. Voilà. Je vais en jouer trois sur la table. Donc ça va être cool. Ça va être super sympa. Donc ça. Ensuite, pardon, nous avons des Retributor Squad, donc jouable par 5. Ouais, c'est ça. Jouable par 5. Ensuite, la figurine vraiment qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment, enfin, absolument la peindre, la monter et la peindre. C'est le Triomphe de Sainte-Catherine. Donc le Triomphe de Sainte-Catherine, c'est tout simplement une figurine en elle-même. Qui fait office de diorama à elle toute seule. Voilà, donc elle est là, je la trouve juste magnifique. Vraiment trop trop belle. Voilà, donc le triomphe de Sainte-Catherine. Et ensuite, pour pallier un peu ce côté mouvement, donc ce manque de mouvement, l'exorciste, donc qui est magnifique char. Donc je ne sais pas encore comment je vais le jouer. Je ne sais pas du tout si c'est un transport de troupes ou autre. Hein, tout ça, je vais le lire dans le codex. Je ferai peut-être une étude de codex avec vous. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je vais d'abord me renseigner, voir un peu comment les autres youtubeurs le font. Et me prendre un peu des marques. Et le faire après à ma façon. Donc à la façon, voilà la painting. Voilà. Ensuite. Donc ça, c'était pour le côté sœur de bataille. Ensuite, nous avons donc un autre projet 2020. Hein. Nous avons donc le Tech Priest Grom Brindal. Il est là. Alors lui, par contre, il va être converti. Puisque là, nous avons Red Gobo qui est ici. Et ce qu'il a dans la main, en fait, je vais l'enlever. Et je vais le remplacer par un ballon de Blood Bowl. Donc ça sera mon coach spécial équipe naine de Blood Bowl. Donc il est pas trop mal, je le trouve assez joli. Puis vraiment très, il a l'air d'être très plaisant à peindre. Donc voilà, ça sera fait. Donc lui,
Et après, l'un des plus gros projets que j'ai sur cette année 2020, donc sans compter bien sûr un autre projet pro, mais ça c'est autre chose, c'est Reboot Gulliman. Mais Reboot Gulliman ne sera pas comme ça. C'est-à-dire que je vais convertir notre cher ami Reboot Gulliman en empereur. Haha! Et oui, je vais le convertir en empereur. Donc je vais effacer tous les signes ultramarines. Donc limer l'insigne qu'il a sur le genou. Virer les épaules, garder celle-là, peut-être la mouler pour en faire une deuxième. Qu'il puisse l'avoir sur les deux épaules. Je vais également limer le symbole de la 13e Légion qu'il a sur la ceinture. Qui se trouve. Je cherche, hein. Qui se trouve. La ceinture est là. Là, bah, du coup, ça va être très facile. Donc, le symbole de la 13e Légion, allumé. Et ensuite, quelque chose de plus dur pour moi, ça va être vraiment un peu de sculpture. Je vais. Alors, soit. Directement, je me prends pas la tête, je reste sur la tête de Gulliman normale en lui rajoutant des cheveux. Soit je pars directement. Voilà, il est là, Gulliman. Il a une bonne tête, hein. Après, il a le masque, mais non, l'empereur n'a pas de masque. Du coup, donc, partir sur la tête de Gulliman et lui rajouter des cheveux à la Green Stuff, ce qui est tout à fait possible. Peut-être pas à mon niveau, parce que niveau sculpture, je suis vraiment une grosse daube. Mais voilà, du coup, faire comme ça pour Gugu, en lui rajoutant donc les cheveux longs. Et après, lui rajouter, donc j'ai commandé sur Internet, grâce au marché de la figurine, la cape d'Abaddon le Fléau, pour lui rajouter directement sur Gulliman. Hop. Et il va me falloir également la pince, la main énergétique avec les griffes là. Hop. Donc la main énergétique directement pour Gulliman, sachant qu'il a déjà l'épée de l'empereur. Donc voilà, ça va être très très bien. Bon, j'y touche, je peux le jeter ça. Donc voilà la cape d'Abaddon, qui est une super sculpture, je trouve. Bon, je sais pas trop comment ça se met. Ah, bah comme ça. Ok, voilà. Donc, tac. Bon, il faudra limer, hein, bien sûr. Hein. Tac. Donc, je remercie vraiment le marché de la figurine. Sans qui j'aurais jamais pu trouver. En fait, je l'ai trouvé sur Internet. Donc, j'ai trouvé la cape sur un site de Beats. Mais à 10 $ la cape, ça fait un peu cher, sachant que c'est pas en France. Du coup, il faut payer les frais de port. Et non, merci. Vraiment, vraiment, non, merci. Donc, voilà les projets 2020 de Valhalla Painting. Ensuite, bah, d'autres choses arriveront, hein, comme les festivals, tout ça. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, vous serez au courant. Je ferai un vlog avec la team Valhalla Painting Team. Donc, vous inquiétez pas. Sur ce, nous, on va s'arrêter là. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à une vidéo prochaine. Et surtout, gardez la pêche et on continue à peindre. N'hésitez pas surtout également à rejoindre les réseaux sociaux. C'est-à-dire Facebook, ma page Facebook, mon Discord. N'hésitez pas également à partager vos créations sur ce Discord, Instagram et tout et tout. Enfin voilà, je vous suis, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de conseils ou autre, pareil, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Valhalla Painting. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao!